Il y a plus de deux siècles, l'Acadie était un territoire français. Un petit morceau de France, en Amérique du Nord, que nous avons perdu. Malgré nos forteresses et nos canons, les Anglais ont été les plus forts. Depuis 1755, l'Acadie n'est plus française, l'Acadie n'est plus un pays. Moi, j'aurais bien voulu qu'on aperçoive quand même quelques Anglais décimés, là. Ben, ils sont là, mais ils sont morts. Mais les Acadiens sont plutôt tenaces. Ils sont toujours là. Ils sont encore 300 000, répartis dans trois provinces anglophones. Ils sont bien là, bien vivants et fiers de parler français. On appelle ça du rampage. Attends, redites-moi, du quoi ? Du rampage. Du rampage. Du rampage, ça fait qu'on rampe. Ah, du rampage. Ouais, du rampage. D'accord. Être acadien, c'est un état d'esprit. Une façon de voir la vie en bleu, blanc, rouge. De ne pas trop se prendre au sérieux, quitte à grimper aux arbres, juste pour épater la galerie. C'est des grands enfants, les Acadiens. Bah oui, c'est les, surtout les hommes. Ah, surtout les hommes. On les voit. L'Acadie, ce sont aussi les grands espaces, la mer à perte de vue et des forêts de cartes postales. Ce ne serait pas la célèbre cabane au Canada, là. Ici, la nature prend quelques libertés. Une vague peut remonter la rivière et vous déposer en ville. Regardez ça. Waouh ! Quant aux oiseaux, ils se déplacent comme des bancs de poissons.